Je révise en moins de 2 minutes la préparation d'une solution par dissolution. Une solution est obtenue en dissolvant un soluté dans un solvant, en général de l'eau. On obtient alors une solution aqueuse. Nous avons besoin d'une balance, d'un soluté, de l'eau distillée et d'une fiole jaugée. Voici le protocole de préparation d'une solution par dissolution. La formule importante à retenir lorsque l'on prépare une solution par dissolution est C, la concentration égale N sur V, N étant la quantité de matière du soluté. Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que vous devez préparer 200 ml de solution aqueuse de concentration en glucose, 0,025 mol par litre. Le glucose est une molécule de masse moléculaire 180 g par mol. Utilisons alors la relation C égale 0,025 mol par litre et V le volume de solution à préparer, 200 ml. On peut donc, à partir de la relation, calculer la quantité de matière de glucose à utiliser, petit n égale 0,0050 mol. Oui, mais alors comment je fais moi pour prendre 0,0050 mol sur la balance? Pas de panique, il suffit de calculer la masse de 0,0050 mol avec la relation que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vue en seconde. Cela fait une masse de glucose de 0,90 g. Et voilà, on prend 0,090 g de glucose, on introduit dans une fiole de 200 ml et on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. La solution est prête. Vous êtes prêt maintenant pour attaquer le programme de première. À bientôt !